qui a été lancé en 2017. À mon initiative, mais avec une participation du Conseil de la vie collégienne, donc les élèves qui déterminent chaque année un thème. Donc ce thème, le thème qui a été choisi cette année, donc c'est la nature. On s'est basé un petit peu sur ce thème, on a un petit peu influencé les élèves parce que Monsieur Boyer est le parrain du concours. Les élèves ont plusieurs mois pour préparer leurs photos, qu'ils présentent, ils nous présentent une seule photo. Ces photos sont exposées ensuite dans l'établissement. Il y a un premier vote qui est fait par les élèves, où on sélectionne, donc les plus belles photos sont sélectionnées, enfin celles qui sont et qui ont essentiellement le plus grand nombre de voix, hein, normalement, ça doit correspondre. Et ensuite, ces photos sont présentées au photographe professionnel, donc qui fait un choix en fonction de ses critères. Lourde tâche. Voilà. Donc cette année, Monsieur Boyer est présent aujourd'hui. L'objectif, c'était de donner. J'essaie de donner effectivement 2-3 tuyaux, quelques bases pour qu'il trouve quelque chose de l'inspiration pour faire des photos. Après, c'est vrai que la photographie nature, c'est relativement large, comme j'ai pu l'expliquer pendant mon intervention. On peut faire de la proximité, du paysage, de l'animalier, des choses comme ça. Bon, ils ont l'air tous hyper motivés, donc j'ai hâte de voir tout ça. Et la sélection, c'est sur les trois dernières photos. Donc on le fera certainement ensemble. Et puis, j'ai hâte de voir tout ça. Donc cette année, il y a plus de 100 élèves, 110 élèves qui se sont inscrits pour participer au concours. Donc ce qui est assez important, puisque les années précédentes, nous avions entre 20-25 élèves qui nous présentaient une photo. Donc je pense que les photos qu'ils ont pu voir, puisqu'on leur a déjà un petit peu parlé de Monsieur Boyer, donc je pense que les photos qu'ils ont pu voir les ont motivés. Et donc ce qui a fait qu'ils soient plus nombreux cette année à participer au concours. J'espère que ça leur a donné envie, effectivement. Voilà, donc il y a aussi Madame Escande, donc chargée culturelle de la mairie, qui travaille, qui nous parraine un petit peu aussi pour prêter une salle pour qu'on puisse faire une exposition, exposer le travail de Monsieur Boyer. Et ensuite, eh bien, on y mettrait les plus belles photos des participants au concours. C'est une première expérience pour moi de présenter ce que je fais. Comme je leur disais en début d'intervention, je suis plus tout seul avec mes flamants roses le matin très tôt. Là, j'expose ce que je fais. C'est une petite consécration pour moi. J'aime bien, j'ai beaucoup apprécié cet échange et j'ai beaucoup aimé leur intérêt. Leur intérêt, plein de questions, ils ont envie de faire bien, ils se sont un peu renseignés. C'était une chouette expérience, j'ai bien aimé.